Bonjour les élèves, c'est avec un grand plaisir que je suis ici pour que nous révisions ensemble quelques leçons du deuxième semestre. Notre objectif est de vous rendre à la hauteur de l'examen régional et le passer avec perfection et souplesse. Et maintenant, et pour la logique des choses, on va orienter nos voiles vers la séance numéro 2, intitulée « La situation initiale et l'élément perturbateur ». Qui font partie de la leçon « La structure narrative ». Comme vous le savez déjà, ces composantes essentielles sont 5. En tête du classement, on trouve la situation initiale, après vient l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution de problèmes et la situation finale. Et maintenant, il est impératif de prendre un carnet de notes et de suivre attentivement. On va voir ensemble les contenus et les objectifs à discuter lors de cette révision. Les notions qu'on va voir ensemble sont 1. La structure narrative. 2. Les temps du récit. Après, on va réviser ensemble la subordonnée circonstancielle de comparaison. Les objectifs de chaque notion sont, pour la structure narrative, on va renforcer l'apprentissage des caractéristiques de début d'une nouvelle et de son élément perturbateur. Et pour les temps de récit, on va savoir comment les utiliser convenablement lors de l'écriture. Et pour la subordonnée circonstancielle de comparaison, on va insister sur la manière de répondre convenablement et avec beaucoup de justesse lors de l'examen régional. On va passer à la révision. Maintenant, rappelons-nous qu'est-ce que la situation initiale et l'élément perturbateur. La situation initiale est une phase où l'auteur présente à ses lecteurs le cadre référentiel de son histoire en ce qui concerne les temps, les lieux et les personnages. Par contre, l'élément perturbateur qui marque un changement brusque et rapide dans le déroulement des événements. Maintenant, on va passer à l'exercice. Quelles sont les caractéristiques suivantes dans la partie convenable? Colonne 1, la situation initiale. Colonne 2, l'élément perturbateur. Commençons par, on y présente le cadre de l'histoire, temps et lieu. Où se passe cette action? À la situation initiale ou bien à l'élément perturbateur? Très bien, et après réflexion? Très bien, on y présente le cadre de l'histoire, son temps et le lieu à la situation initiale. 2. On y change l'équilibre initial. Remarquons qu'il y a un changement, un passage brusque de la stabilité déjà vue à la situation initiale à une phase de perturbation, de modification. Très bien, on change l'équilibre initial à l'élément, avec l'élément, bien avec la partie élément perturbateur. 3. On déclenche l'action. L'action, elle est déclenchée, ça veut dire les événements de l'histoire commencent à la situation initiale ou bien avec l'élément modificateur, ça veut dire l'élément perturbateur. Très bien, juste. C'est dans la colonne éléments perturbateurs que les actions, les événements de l'histoire commencent et se déclenchent. Elle est souvent descriptive. Où on peut trouver des passages descriptifs, des passages qui nous donnent des informations, des passages qui sont présentatifs à la situation initiale ou bien avec l'élément perturbateur. Juste, c'est à la situation initiale qu'on a beaucoup de passages descriptifs. On a même le temps qui a pour valeur la description et qui est l'imparfait. Du moment que l'auteur essaie de présenter ses personnages, le temps et le lieu de son histoire au lecteur. Les verbes, ils sont souvent à l'imparfait. Où ça? À la situation initiale ou bien à l'élément perturbateur? Et je viens de le signaler. Si vous le remarquez, je viens de le dire. Très bien, c'est à la situation initiale
que les verbes sont à l'imparfait. Je le répète encore une fois, parmi les valeurs essentielles de l'imparfait est la description. Elle est introduite par une indication de temps. Soudain, tout à coup, j'ajoute brièvement et d'un clin d'œil. Ces expressions, bref, on les trouve à la situation initiale ou bien avec l'élément modificateur des événements. Très bien. On trouve ces indications avec l'élément perturbateur et ce sont les éléments introducteurs de l'élément modificateur de l'action. On utilise souvent le passé simple, ou ça, à la situation initiale, ou bien en accompagnement avec l'élément perturbateur. Réfléchissez bien, c'est facile. Quand je dis l'élément perturbateur marque un changement brusque et rapide dans les événements, c'est normal que la réponse sera avec l'élément perturbateur, on utilise le passé simple qui a pour valeur la brièveté, la rapidité de l'action. Donc, retenons ce qu'on vient de voir. Notre grille dit que pour la situation initiale, on y présente le cadre de l'histoire, que ce soit temps, lieu ou personnage. Elle est souvent descriptive du moment que l'auteur cherche à rendre ces éléments proches des lecteurs. Les verbes ils sont souvent à l'imparfait du moment que l'auteur cherche à décrire ces lieux, les lieux, les temps et les personnages de son histoire. L'élément perturbateur, élément modificateur de l'action, élément modificateur des événements qu'on avait ou bien qu'on aura après, parce que c'est lui qui va déclencher les actions de l'histoire. Donc, l'élément perturbateur nous permet de changer l'équilibre initial. L'équilibre initial, ça veut dire la stabilité qu'on avait avant à la situation initiale. Deux, il déclenche l'action. Ça veut dire c'est là où va commencer les événements de l'histoire. Avec l'élément perturbateur, on a après pas mal d'actions successives. Trois, il est introduit par une indication rapide, soudain, tout à coup, parce que le changement et le passage brusque de la situation stable à la situation perturbée, c'est un passage très rapide et très brusque. Et à la fin, on utilise avec la brièveté qu'on avait du passage de la situation initiale à l'élément perturbateur, c'est normal qu'on va conjuguer les verbes au passé simple. J'espère que vous avez profité de cette révision. Et c'est quelque chose à retenir et à utiliser lors de l'examen régional. Une autre révision rapide qui va renforcer c'est ça. On a terminé avec la révision. Et je vais maintenant on va réviser les temps de récit. Alors quand je dis les temps de récit, ça veut dire les temps de conjugaison, les temps verbaux qui règnent dans une écriture littéraire. Les temps de récit, ce sont la conjugaison qui me permet de raconter une histoire, de conjuguer les verbes de mon histoire, que ce soit une histoire au présent ou bien au passé. Quand je dis les temps du récit, la plupart du temps, les récits sont racontés au passé. Ça veut dire l'auteur, elle raconte une histoire déjà terminée, accomplie dans le passé. Et pour ça, il a besoin de ces temps verbaux qui sont l'imparfait et le passé simple. Rappelons les valeurs de l'imparfait. L'imparfait a pour valeur l'habitude. Ça veut dire des actions qui se répètent. Exemple, elle fumait. Il a fumé pour des années. C'est une action longue, continue, qui se répète dans le passé. Donc le temps convenable serait l'imparfait. L'imparfait a pour valeur la description. Donc pour décrire les personnages, les lieux, les temps de l'histoire, on a besoin de l'imparfait. 3. L'imparfait exprime les actions longues.
continues qui prennent beaucoup de temps pendant la réalisation. Par contre, le passé simple, qui est un temps rapide et qui a pour valeur la succession des actions, et quand je dis la succession des actions, une histoire, elle est pleine d'actions, elle est pleine d'événements, elle est pleine de faits. Donc les actions succèdent et progressent vers la fin, et pour ça, une action commence et se termine, une autre commence et se termine, donc le déroulement exige un temps rapide comme le passé simple. Le passé simple exprime la brièveté dans l'action. Le passé simple exprime, il a pour valeur la rupture d'une action longue. La question est, quels sont les temps verbaux utilisés souvent dans la situation initiale et l'élément perturbateur après avoir révisé les valeurs de chaque temps? Je refais la lecture de la question. Quels sont les temps verbaux utilisés souvent dans la situation initiale et l'élément perturbateur? On a deux cases à remplir avec ces verbes qui sont déjà conjugués. À quel temps sont conjugués les verbes suivants? Ils marchèrent, il arrivait, nous sautâmes, tu étais, elle faisait. Je refais la lecture. Ils marchèrent, il arrivait, nous sautâmes, tu étais, il faisait. S'il vous plaît, faites preuve d'une bonne observation avant de répondre. Et quand je dis une bonne observation, quand j'observe un verbe conjugué, automatiquement je pense à la terminée, à la terminaison. La première remarque, les terminaisons changent d'un verbe à un autre sur la liste. Ils marchèrent, ils arrivaient, nous sautâmes, tu étais, ils faisaient. Mais chaque verbe nous jette ou nous projette vers un verbe parmi les deux cases qu'on a, ou bien les verbes qu'on a dans les temps verbaux qu'on a dans les deux cases. Alors, ils marchèrent, c'est quel temps? Imparfait ou bien passé simple? Après réflexion, très bien, ils marchèrent, le verbe est conjugué au passé simple. La justification, c'est normal, sera la terminaison. R. Il arrivait. C'est là le verbe, il est arrivé, il est conjugué à l'imparfait ou bien au passé simple. Juste. Il arrivait et il est conjugué à l'imparfait. Nous sautâmes, imparfait ou bien passé simple. Si nous révisons la conjugaison passé simple premier groupe, je trouve que la terminaison du passé simple premier groupe est AI, AS, A, AM, AT, R. Et qu'est-ce qu'on a ici? AM, parce que le verbe sauter, c'est un verbe du premier groupe. Donc la bonne réponse serait le passé simple, juste. Tu étais, le verbe être, à quel temps elle est? À l'imparfait ou bien au passé simple? Tu étais, elle est à l'imparfait. Et maintenant, à quel temps est conjugué le verbe faire ici? Il faisait. Rappelons-nous que le verbe faire est un verbe régulier. Ça veut dire qu'il change de radical d'un temps à un autre et même d'une personne, d'un pronom personnel sujet à un autre. Il faisait, le verbe faire ici, il est conjugué à l'imparfait, juste, bravo. Maintenant, deuxième question. Associons les valeurs suivantes au temps convenable.
comme je le viens de dire tout à l'heure, chaque temps de conjugaison a 10 valeurs propres. Alors, la description, désigner une action soudaine, exprimer une habitude, exprimer une action brève ou bien présenter des actions successives. À vous de remplir les deux cases. Alors, pour décrire, on aura besoin de l'imparfait ou bien du passé simple. Pour faire une description correcte, c'est normal qu'on aura besoin de... très bien, de l'imparfait. Donc, l'imparfait a pour valeur la description. Désigner une action soudaine. Pour désigner une action rapide, brève, vous aurez besoin de l'imparfait ou bien du passé simple. Juste, c'est on aura besoin du passé simple, le temps bref, qui exprime la brièveté. Exprimer une habitude. Exprimer une habitude, une action qui se répète. L'imparfait ou bien le passé simple. Alors, pour exprimer une habitude, une action qui se répète, juste, on aura besoin de l'imparfait, parce que parmi les valeurs de l'imparfait, parler des habitudes. Exprimer une action brève, rapide. Quand j'aurai besoin d'un verbe, de parler d'une action rapide, est-ce que je vais conjuguer mon verbe à l'imparfait ou bien au passé simple? Juste, on va conjuguer le verbe qui exprime la brièveté au passé simple. Et pour présenter la succession des actions, ça veut dire plusieurs faits, plusieurs actions qui se déroulent en même temps, une après l'autre, dans une progression rapide, c'est normal, comme vous venez de le dire, de conjuguer ces verbes de succès qui exprime la concession au passé simple. Donc, récapitulons les valeurs de l'imparfait et du passé simple. L'imparfait a pour valeur les descriptions, exprimer une habitude, et le passé simple, il a pour valeur désigner les actions soudaines, exprimer les actions brèves et présenter des actions successives. Maintenant, on va réviser une leçon de langue. La subordonnée circonstancielle de comparaison. Quand on parle d'une subordonnée circonstancielle, on parle d'une phrase qui nous donne des informations sur les circonstances qui entourent la réalisation de l'action principale. Donc, la subordonnée circonstancielle, il a un rôle informatif. Il nous donne des informations sur l'action principale. Aujourd'hui, on va voir comment la subordonnée circonstancielle de comparaison va nous informer sur l'action principale. La subordonnée circonstancielle de comparaison exprime la diminution ou bien l'augmentation ou bien l'égalité proportionnelle dans les qualités, les quantités et même dans les actions. Avec des conjonctions qu'on peut utiliser au français parlé ou bien au français écrit. Faites attention, quand je parle de la comparaison, on ne peut utiliser les conjonctions de comparaison au français parlé comme au français écrit. Et donc, maintenant, travaillons ou bien considérons ces exemples avec les conjonctions de la comparaison. Je lis le support. Avec la technologie, le travail est plus facile qu'avant. Ici, on fait une petite comparaison entre le travail d'aujourd'hui et le travail d'avant. Grâce à la conjonction « plus que » qui a pour valeur l'augmentation proportionnelle de la qualité facile. Je refais la lecture du support. Avec la technologie, le travail est plus facile qu'avant. Ce qu'on vient d'écrire en gras ou bien avec une couleur différente, c'est une conjonction qui exprime l'augmentation proportionnelle dans la qualité facile, qui est un adjectif. Donc, avec la technologie, le travail est plus facile qu'avant. La subordonnée de comparaison, appelée aussi, on va l'appeler aussi la comparative. Dans ce support, on essaie de comparer la technologie et le travail. La technologie et le travail.
Donc, avec la technologie, le travail devient plus facile qu'avant. Étudions le tableau. La nouvelle est plus passionnante que le conte. Elle est moins intelligente que son frère. Elle est aussi intelligente que son frère. Il travaille comme un forçat. Le roman comporte plus ou la plus de personnages que la nouvelle. La nouvelle comporte moins de personnages que le roman. Elle a autant de livres que son ami. Je refais la lecture des exemples parce que à vous de mentionner les titres et les catégories de comparaison qu'on a ici dans ce tableau. Comme vous remarquez, on n'a pas mentionné les catégories des degrés de proportionnels que comprend la comparaison dans les exemples. La nouvelle est plus passionnante que le conte. Le roman comporte plus de personnages que la nouvelle. Elle est moins intelligente que son frère. La nouvelle comporte moins de personnages que le roman. Elle est aussi intelligente que son frère. Oui, il a autant de livres que son ami. La nouvelle est plus passionnante que le conte. Que exprime ici la comparaison? La supériorité, l'infériorité ou bien l'égalité? À vous de réfléchir et de répondre convenablement en faisant attention à la conjonction utilisée dans l'exemple, qui est plus, plus adjectif, plus que. Le roman comporte plus de personnages que la nouvelle. Ici aussi, on a la conjonction plus, plus non, plus que. Alors, plus, plus adjectif, plus que. Dans la deuxième colonne, on a « elle est moins intelligente que son frère ». La conjonction utilisée pour exprimer la diminution « moins » plus adjectif plus que. Et pour exprimer l'égalité, on a utilisé aussi plus adjectif plus que ou bien « comme ». Le même travail est répété. On a ici une autre conjonction qui exprime la supériorité, mais vous remarquez qu'on a ici plus, plus de. La cause, qu'elle est suivie d'un non. Ici, on a mis dans la balance le non. On essaie de comparer le non à un autre. Plus, 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 de, plus non, plus que. La même chose avec le non. La conjonction de comparaison est suivie de la préposition de. Donc, moins, de, plus, non, plus que. À la différence de ces conjonctions s'ils sont suivis d'un adjectif. Absence de la préposition de. Autant de, plus, non, plus que. Donc, à récapituler, une fois qu'on veut comparer des noms, on utilise les conjonctions de comparaison suivies de la préposition de qui est introduit après le nom. Donc, plus, plus adjectif, plus que, plus de, plus non, plus que, exprime la supériorité, un degré élevé de, moins, plus adjectif, plus que, moins de, plus non, plus que, exprime un degré inférieur, et je vais l'appeler ça, ces conjonctions expriment l'infériorité, et quand on veut parler d'un degré d'égalité proportionnelle, on utilise aussi plus adjectif plus que ou bien quand et autant de plus non plus que. Et je refais la même remarque que ces conjonctions sont utilisées au français parlé comme au français écrit. Donc la comparaison exprime la diminution, l'augmentation ou bien l'égalité proportionnelle dans les qualités qui sont des adjectifs. Des quantités qui sont parfois des noms et même des axes, des actions. On peut même comparer des actions. Ça veut dire deux sujets qui font la même action, on met l'action dans la balance et on fait une petite lecture en utilisant les conjonctions qui expriment la diminution, l'augmentation ou bien l'égalité proportionnelle dans cette action-là. Quand on
veut parler d'une qualité où il y a un degré très élevé, qu'on appelle le superlatif. On essaie toujours de précéder la conjonction de comparaison de l'article défini « le »,« la », »,« les », plus adjectif ou bien « de » et « des ». Exemple, « il est le plus gentil des enfants ». Ça veut dire qu'on a comparé ici un élément ou bien un sujet par rapport à un groupe. Donc, quand on compare un élément par rapport à un groupe, on utilise le superlatif qui est précédé ou utilisé avec des articles définis ou bien des articles indéfinis. Exemple numéro 2. Ces livres sont les moins chers de la librairie. Ces livres sont les moins chers de la librairie. Vous remarquez ici qu'on a utilisé pour l'adjectif cher la conjonction de comparaison « moins » précédée de l'article défini « les ». Donc, on a l'article défini « le »,« la », »,« les », plus « moins », plus « adjectif », plus « de » ou « des », selon l'exemple et selon l'expression et les éléments comparés. Donc, le grand titre est « les superlatifs ». Et pour récapituler notre révision, je vais passer avec vous à mon quiz de révision. Une façon de se rappeler la leçon rapidement, avec souplesse et joie. Vous allez répondre s'il vous plaît, vous allez faire preuve d'observation et de compréhension, c'est normal. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à l'état d'équilibre qui introduit un récit? 1. La situation initiale. 2. La résolution du problème. 3. La situation finale. Ou bien 4. L'élément perturbateur. Rapidement, c'est un jeu qui va vous permettre de faire preuve de compréhension et de la bonne observation. Très bien. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à l'état équilibre qui introduit un récit, c'est normal, la situation initiale. La phase numéro 1, la situation stable qui nous permet d'avoir une idée sur le cadre général de l'histoire. 2. Parmi les propositions suivantes, laquelle est introduite par un indicateur temporel qui change l'état d'équilibre qu'on a avant à la situation initiale? Est-ce la situation finale, la situation initiale, l'élément perturbateur ou bien la résolution du problème? Je sais que vous avez le don pour le faire et répondre juste. Très bien, c'est l'élément perturbateur qui marque ou bien le changement brusque dans le déroulement de l'histoire où il est souvent introduit par un indicateur temporel qui exprime la brièveté. 3. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne correspond pas à la situation initiale? Ça veut dire qu'elle ne fait pas partie des valeurs de la situation initiale. Est-ce la présentation du temps et du lieu, la présentation des personnages, la présentation du dénouement ou bien l'utilisation de l'imparfait? C'est une question facile après ce qu'on vient de dire et de répéter. Vous allez trouver rapidement et avec beaucoup d'aisance la bonne réponse. Très bien, c'est la présentation du dénouement qui n'a rien à voir avec la situation initiale. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas synonyme de soudain? Est-ce tout à coup, subitement, brusquement ou bien autrefois? Question facile, juste, c'est autrefois qui parle d'un temps indéterminé qui fait partie d'un passé loin. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement rédigée? Je dis bien, ce jour-là, il faisait très beau à la plage. Je refais la lecture. Ce jour-là, il faisait très beau et la plage était vide. 2. Ce jour-là, il fait très beau et la plage est vide.
3. Ce jour-là, il fait très beau et la plage était vide. Ce jour-là, il fera très beau et la plage sera vide. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement rédigée? Question qui a pour valeur évaluer votre dictée ou bien orthographe. Donc, observez bien, impliquez-vous aux règles et vous allez répondre juste. Je refais la lecture de l'exercice. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement rédigée? Ce jour-là, il faisait très beau et la plage était vide. Ce jour-là, il fait très beau et la plage est vide. Ce jour-là, il fait très beau et la plage était vide. Ce jour-là, il fera très beau et la plage sera vide. Exercice dont vous allez faire preuve de la bonne observation. Utilisez et impliquez-vous aux règles et vous aurez la bonne réponse. Qu'est-ce que vous remarquez? Que les quatre phrases commencent par une indication temporelle qui fait partie du passé. Un atout ou un moyen qui va vous diriger directement vers la bonne réponse. Avec ce jour-là, les temps sont conjugués au passé, au présent ou bien au futur. Juste, avec ce jour-là, on est projeté vers le passé. Et les temps verbaux seront ou bien l'imparfait, ou bien le passé simple, le passé composé. Ça veut dire des temps qui font partie du passé. Donc, répondez. Juste, ce jour-là, il faisait très beau et la plage était vide. Le premier verbe, qui est le verbe faire, est conjugué à l'imparfait, un temps du passé. Et le deuxième verbe, qui est le verbe être, aussi à l'imparfait. Bonne réponse, ce jour-là, il faisait très beau et la plage était vide. Parmi les propositions suivantes, lequel des verbes n'est pas conjugué au passé simple? Bonne observation, bonne application aux règles, ça va nous donner directement une bonne réponse. Ils commencèrent, ils répondirent, ils dormiront, ils sortirent. Je refais la lecture. Ils commencèrent, ils répondirent, ils dormiront, ils sortirent. Concentration sur les terminaisons, vous aurez la bonne réponse. Parmi les propositions suivantes, lequel des verbes n'est pas conjugué au passé simple? La réponse est, bravo, ils dormiront. Pourquoi? Parce que le verbe dormir ici, il est conjugué au futur simple. D'après quoi? D'après la terminaison qui est rang. Donc rang n'a rien à voir avec la terminaison du passé simple. Parmi les propositions suivantes, laquelle des valeurs n'est pas celle de l'imparfait? Je refais la lecture. Parmi les propositions suivantes, laquelle des valeurs n'est pas celle de l'imparfait? Est-ce la description, l'habitude, les actions simultanées ou bien les actions successives? Une bonne mémorisation des apprentissages et vous aurez la bonne réponse. Juste, les actions successives ne font pas partie des valeurs de l'imparfait. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne correspond pas à une comparaison? Ça veut dire comparer entre deux éléments pour faire sortir le point commun ou bien l'élément commun. Et après, on va discuter cet élément commun sur la balance. Comme il faisait chaud, je me jetais à la mer. Ma petite sœur est jolie comme une fleur. Cet enfant n'est pas grand, mais elle est malin comme un singe. Ma mère travaille aussi bien que mon père. Je refais la lecture. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne correspond pas à une comparaison?
Comme il faisait chaud, je me jetais à la mer. Ma petite sœur est jolie comme une fleur. Cet enfant n'est pas grand, mais elle est malade comme un singe. Ma mère travaille aussi bien que mon père. Petite réflexion. Question facile. Et bonne observation. Et c'est la bonne réponse. Comme il faisait chaud, je me jetais à la mer. Comme ici, conjonction de cause. Puisqu'il faisait chaud, je me jetais à la mer. Ça n'a rien à voir avec la comparaison. Laquelle des propositions suivantes n'exprime pas l'égalité? Ça veut dire proportion. Ça veut dire une égalité proportionnelle des qualités, des quantités ou bien des actions. J'ai gagné autant d'argent que toi. Le football est un jeu aussi violent que le rugby. Samy est le plus paresseux. Il a des cheveux raides comme des baguettes. On parle ici de la valeur de l'égalité exprimée par les conjonctions de comparaison. Observez et bonne lecture. Et c'est la réponse. Très bien. Samy est le plus paresseux. Ici, on exprime le superlatif. On a la conjonction plus de comparaison précédée de l'article défini lieu. Et on essaie de comparer ici la valeur ou bien la qualité de la paresse chez Samy avec un groupe. Donc Samy est le plus paresseux. Ici, ça n'a rien à voir avec la valeur de l'égalité. Ici, on exprime le superlatif. Ou bien cette phrase exprime le superlatif. À la fin, vous pouvez répondre avec beaucoup de franchise à ces questions-là. Je suis capable d'identifier la situation initiale dans un récit. Oui ou non? Soyez honnête en répondant, ça vous fera du bien, ça vous donnera le courage de réviser encore ou bien de chercher à renforcer l'apprentissage d'autres leçons. Je suis capable d'utiliser correctement et correctement les temps du récit. Je suis capable d'exprimer correctement une comparaison avec différents moyens. Et ainsi, notre révision arrive à sa fin. J'espère que notre séance s'est déroulée dans une atmosphère d'aisance pour un bon rendement. Merci et à la prochaine.